Voilà, c'est votre fin de carrière, est-ce que vous réalisez? Oui, on réalise, j'ai reçu les deux derniers jours énormément de messages, de sympathie de la part d'anciens coéquipiers et de beaucoup de personnes, donc c'est vrai que ça fait remémorer beaucoup de choses, ça remue beaucoup de choses, mais voilà, c'est bien, à un moment donné, il faut savoir dire stop, et quelque part, c'est bien comme ça. Vous finissez par une victoire, c'est ce qui était espéré pour vous? Oui, c'est un moindre mal, on a été très déçus de ne pas faire les playoffs, et là, au moins, le public est heureux, on sort par une victoire, et au moins, il y a ça de positif, on va dire, ce soir. Les supporters ont longtemps chanté votre nom, comme ça c'est quelque chose d'assez particulier, je pense, pour vous. Oui, exactement. Ah, ça fait super plaisir. Il y a toujours une très bonne atmosphère. J'ai toujours ressenti des bonnes ondes ici, positives. Et c'est vrai que je les remercie beaucoup pour leur soutien. On sent tout le temps quand ils sont derrière nous. Et ça fait plaisir d'avoir des supporters comme ça. Est-ce qu'il y a quelque chose peut-être qui va vous manquer, justement? Oui, il y a beaucoup de choses qui m'ont manqué, mais la pression, les gros matchs, le public, toutes ces choses-là, les vestiaires, les copains, il y a un million de choses qui m'ont manqué, mais voilà, à un moment donné, il faut savoir tourner la page, et c'est vrai que je pense que c'est le moment, et on suivra, on gardera surtout les bons souvenirs. Et ce dernier maillot, vous allez le garder précieusement? Oui, tout à fait, c'est un maillot important, et Fribourg, c'est une ville qui est dans mon cœur, donc c'est sûr que... On va le garder bien dans un coin. Parfait, merci beaucoup.